Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Nous parlons toujours des sujets majeurs du moment. Il s'agit d'abord des consultations menées par le Premier ministre à l'instant où on vous parle des entités de la société qui continuent à se relayer à la primature pour, dit-on, prendre leur avis sur cette question de nouvelle constitution ou pas, et bien entendu aussi sur la question des élections à venir. Et bien sûr, pour en parler, un autre acteur politique de notre pays, pas des moindres, M. Badiko, il est président de l'UFD. C'est l'invité du jour, il va nous parler justement de ces différents sujets, son point de vue là-dessus. Monsieur Ba, bienvenue dans cette émission Café Débat. Oui, bonjour Monsieur Diallo, merci pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer devant les nombreux auditeurs et auditrices de Gangan TV. C'est une TV qui a énormément contribué à l'éclosion d'un véritable débat démocratique dans le pays. Et il faut le rappeler, ce sont les vétérans de la télévision privée en Guinée, et c'est très important que les gens sachent toute cette contribution anonyme que ces équipes, ces promoteurs ont faite pour réellement la démocratie en Guinée. Merci beaucoup. Merci. Et le pluralisme, qui est une composante de la démocratie. Absolument. Merci surtout pour ces compliments. Compliments mérités. Ce n'est pas de la grignoterie, ce sont des compliments mérités. Merci voilà. Surtout, ça nous va dans votre cœur. Alors, d'abord, avant de parler de ces sujets d'actualité, l'UFD, c'est quand même un grand et ancien parti de la vie politique de notre pays. Je crois que souvent, vos activités, la vie de votre parti peut passer inaperçue au vu de ceux qui font beaucoup plus de tintamarre aujourd'hui, beaucoup plus de, on va dire, de folklore autour de leur parti. Comment ça se passe au sein de l'UFD aujourd'hui? Quelle est la vie de votre parti? Comment est ce parti implanté sur le terrain en termes de base électorale? Merci. Comme vous le savez, l'UFD, c'est un grand projet national qui date de 1991, lorsque des militants, des citoyens guinéens de partout, aussi bien en Guinée à l'extérieur, et de toutes les composantes de la communauté nationale, ont décidé de fonder un parti différent, un parti qui ne soit pas une simple émanation d'une ethnostratégie quelconque. Et aujourd'hui, avec beaucoup de difficultés, depuis cette époque-là, l'UFD continue sa marche, et avec l'aide du peuple de Guinée, les options fondamentales que nous avons toujours défendues depuis l'origine, malgré toutes les vicissitudes de l'histoire, à savoir le refus des regroupements communautaristes et ethnicistes, et le respect sacré du bien, la sacralisation du bien public, donc la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. C'est ça le principe donc de l'UFD, et que toutes les ressources nationales soient enfin consacrées à l'écrasante majorité de la population qui en a besoin. Et c'est ça donc, aujourd'hui, les choses avancent. Notre credo, notre programme, notre vision de la Guinée est de plus en plus partagée par un grand nombre de personnes. Vous savez que la Guinée n'a pas de culture démocratique. On est sorti donc de la dictature sanguinaire du parti État, du PDG, pour entrer dans un système de démocratie sans alternance, et les regroupements ethniques ont totalement dominé la vie politique, jusqu'à exploser totalement et engloutir le pays au sortir donc des élections donc de la transition de 2010. Et malgré ceci, l'UFD, vous savez que, justement, je dis qu'il n'y avait pas de culture démocratique. Est-ce que vous savez que il est arrivé que des gens de ma région aient lancé pendant une semaine des cailloux à Kindia contre nous, puisque d'après eux, on était en train de gêner le candidat de l'ethnie. Bien. Et nous avons lutté contre tout ça, et aujourd'hui, Dieu merci, Dieu est grand, la vérité commence à se savoir, et les gens maintenant n'ont plus peur de s'afficher avec l'UFD, de défendre les principes de l'UFD, et donc c'est une expérience difficile, mais
Nous sommes heureux de constater qu'aujourd'hui, les choses avancent. Là, je reviens de l'intérieur du pays. Alors, permettez-moi de vous couper. L'UFD, c'est un vieux parti. Oui. On dit que l'UFDG, qui est un grand parti aujourd'hui de l'opposition, on va dire, est sorti même de là. Je ne sais pas si vous confirmez cela en parlant d'histoire. Alors, voir le parcours de ce parti, de ce vieux parti, comment on va dire au bout de deux décennies ou plus de deux décennies, est-ce que c'est un parti qui au fur et à mesure prend de l'ampleur ou un parti qui meurt à petit feu? Qu'est-ce que vous direz aujourd'hui du dynamisme de ce parti? Eh bien, au contraire, c'est un parti qui progresse. D'accord. Et nous espérons que tout ce qui va se passer dans les mois et les années qui viennent va montrer que l'UFD et ses idées qui n'était pas partagé par une grande partie de la population, est en train sérieusement de progresser. Les gens sont en train de faire les principes de l'UFD, de reconnaître qu'en réalité, les options que je viens de vous énoncer sont incontournables si on veut réellement assurer le bonheur du peuple de Guinée. C'est une partie aujourd'hui qui a une base un peu partout en Guinée. Oui, nous sommes implantés un peu partout. On n'a pas des implantations massives, on n'a pas ces moyens. Mais nous avons des militants partout et je dois vous rassurer que lorsque vous allez dans la région, la Haute-Guinée, vous allez en Guinée du Sud-Est et même parfois dans certaines régions de la Basse-Guinée, ceux qui votent UFD ne sont pas de ma région et c'est notre fierté puisque c'est cette semence que nous voulons faire réellement prospérer dans la Guinée pour sortir de l'ethnicisme ambiant, du communautarisme à outrance, qui est en train donc réellement d'enterrer la Guinée. Alors, ce que je voulais aussi dire, est-ce qu'aujourd'hui, les partis politiques qui se disent vivants, dynamiques, tiennent des assemblées générales sous fond d'ambiance, hein, tous les samedis, pour montrer que c'est un parti qui vit, qui est installé la Mamaya, à des réunions régulières, à ces genres d'assemblées, pour montrer la vivacité du parti? Les réunions, ce sont les réunions hebdomadaire du bureau à Conakry, pour ceux qui résident à Conakry, et sinon, même en se conformant à nos statuts, sont les structures de base qui tiennent à leur niveau des réunions. Certains se réunissent toutes les semaines, d'autres toutes les deux semaines, d'autres tous les mois. Nous veillons donc dans le fonctionnement interne du parti que les gens puissent se retrouver dans le cadre statutaire pour faire vivre le mouvement, et c'est une réalité également que je peux vous assurer. Que c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Nous essayons d'appliquer réellement pleinement nos dispositions statutaires pour la vie interne du parti, consacrée entre autres non seulement à nous pencher sur la situation sociale que les gens vivent à la base, mais également faire de l'éducation politique, qu'on ne nous dise pas que oui, que c'est ici, il faut voler, il faut mentir pour s'en sortir, la politique c'est le mensonge. C'est tout ça que nous voulons corriger dans la tête des gens. Et là, je vous dis, je reviens de l'abbé. On a écouté les gens à la base, mais vous n'avez pas idée aujourd'hui de la misère de la population et comment la population souffre du diktat de que ce soit des élus locaux ou de l'administration. Bien, on va faire le bilan tout à l'heure. Pour terminer sur l'avis de votre parti, je l'ai dit, je répète, un vieux parti, mais il faut bien se poser la question, est-ce qu'il reste toujours un grand parti depuis plusieurs décennies, depuis plus de deux décennies? Pour terminer, le poids d'un parti se mesure, comme on le dit, lors des élections. À ses élus. Nous sommes sortis des élections communautaires, locales bien sûr, donc il y a vu la mise en place des maires et des chefs de quartier, c'est pas encore fait. Mais est-ce que vous avez eu, on va dire, un résultat satisfaisant en termes de conseillers ou de mairies remportés à l'issue de ces élections locales? Effectivement, nous avons d'abord, vous avez oublié les législatives de 2013 où le pouvoir a décidé que l'UFD ne devait pas être présent à l'Assemblée, malgré le score qu'il a eu. C'est ce qui s'est passé donc. Absolument, nous en avons la preuve matérielle. Nous avons la preuve matérielle de ce qui a été fait pour nous empêcher d'être à l'Assemblée et de mettre à la place des marionnettes que le pouvoir a fabriquées quelques semaines, quelques mois avant la consultation. Nous en avons la preuve. Vous auriez pu avoir combien de députés Au moins, on aurait pu avoir un député normalement. À
En 2013. Et il a été décidé que non, on n'a pas mis nous là-dedans. Maintenant, revenons sur les communales. Nous sommes partis de l'expérience des délégations spéciales. Dans les délégations spéciales, on nous avait attribué des sièges à Mamou, à la mairie de Mamou, de Dalaba et de l'Elma, sur la base du score justement de 2013. Et nous avons tout fait pour encadrer ces délégués. Et bien, je dois vous avouer que nous n'avons pas pu les encadrer puisque c'est des gens qui ont totalement coupé le contact et qui sont entrés dans les jeux ambiants. Ça veut dire donc ils ont été absorbés par le système. Par le RPG. Pas RPG, ils ont été absorbés par la corruption, les détournements et les raquettes contre la population. Est-ce que vous savez que dans toutes ces collectivités, les mairies et autres, les gens rendent eux-mêmes la justice et décident d'amende ou d'emprisonnement pour des gens, alors que ce n'est pas des juges. Voilà ce qui se passe. Des pauvres paysans qu'on ramasse, il est obligé de vendre son mouton ou autre chose pour payer des amendes puisqu'il y a son fils qui a insulté soi-disant quelqu'un. Des choses qu'on a vécues. Donc, on a dit donc que nous, on n'est plus prêts. Donc, ils sont restés 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Ils n'ont jamais rendu compte au parti de ce qu'ils faisaient. Donc, ils ont fait exactement le contraire de ce que nous aurions souhaité qu'ils fassent. Et ça n'a pas fait honneur au parti. Et nous avons dit, donc, avec les communales, nous n'allons pas répéter les mêmes erreurs, c'est-à-dire envoyer des gens dans les mairies, nous battre pour avoir des gens dans les mairies, pour qu'ils soient des oppresseurs de la population, qui participent à la bouffe ambiante et à l'exploitation de la population ou de ses ressources. C'est-à-dire qu'à Dalaba, par exemple, ils ont vendu les forêts que les Blancs ont laissées. Ils ont vendu les terrains avec. Mais nous avons eu 6 circonscriptions. D'accord. On a dit, nous allons les travailler, et c'est des gens qui sont volontaires et qui écoutent et que nous pouvons maîtriser. Et donc, on a eu des candidats à 6 circonscriptions, et en tout, nous avons eu 8 conseillers. Notamment où Notamment à Port-Daka, à Mamou, donc à, chez moi à Bodié, à Dalaba, ailleurs à Mombéa. À Kébali également, on a même fait un bon score. Et vous avez également à Sagalé, dans la région de l'Elouma. Bien. Voilà. Donc, plus ou moins quelques conseillers seulement à l'intérieur du pays. Oui, absolument pas. On ne s'est pas lancé dans le tohu-bohu de la campagne de Konam. Il y a eu trop de non-transparence lors des communales. Non, je pense que le pouvoir et même tout le personnel politique s'est mis dans la fraude. Donc, ce qui est intéressant dans les élections locales, c'est que la fraude à Kankan ou à Mandiana, les 100% que le pouvoir s'attribue là-bas ne servent pas pour avoir quoi que ce soit à Conakry. On a vu comment il était la raclée que le pouvoir a eue. Justement, puisqu'il n'y a pas moins de transférer ce qui est volé d'une région à l'autre. Donc, c'est une leçon intéressante pour les institutions à venir. Donc, la fraude était moindre. La fraude était localisée. Elle n'a pas explosé. Mais tout le monde s'est mis à acheter. On a eu des achats ici d'élus qui étaient pris sur la place publique. Et ça, c'est un scandale. Et c'est une indigne d'un pays comme le nôtre. Voilà, Monsieur Bah Badiko, à la tête d'un des vieux partis de notre pays, il faut le rappeler, mais qui fait moins de bruit, comme il le dit, mais un parti qui reste toujours implanté, solide sur le terrain. Et il est lui-même un infatigable parolier qui donc intervient sur les sujets majeurs qui concernent notre pays. Nous, on va parler donc de cette question de consultation. Le président Alpha Condé a fait une sortie, donc il adresse à la nation, il a instruit à son premier ministre d'ouvrir de larges consultations sur des sujets de préoccupation, entre autres la question d'une nouvelle constitution ou pas. Vous, singulièrement, je ne sais pas si vous êtes dans le FNDC, mais comment vous pensez, qu'est-ce que vous pensez de la démarche? Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes prédisposé à aller à la rencontre de Kassori pour ces consultations au sujet notamment de la constitution? Il faut rappeler d'abord le contexte. Depuis pratiquement 9 mois, le pouvoir avance sans coup férir dans son projet illégal de fabriquer un troisième mandat pour le président Alpha Condé ou installer des marionnettes du système pour continuer le système de prédation, le système ethniciste, le système corrompu et le système dictatorial qui est là aujourd'hui. Donc tout le monde attendait, vous vous souvenez dans le débat, déjà de mauvaise foi, n'ont pas se dit oui mais
en juillet et août, mais comment voulez-vous attaquer le pouvoir alors qu'il n'a pas dit clairement que il y aura un troisième mandat? Comment on peut faire des procès d'intention? Et donc voilà, donc le président de la République était attendu ce sujet, mais au lieu de ça, il botte en touche et il envoie et dit qu'il y a des consultations qui vont se faire chez le Premier ministre. Il me donne, et il a dit c'est des consultations, comme leur nom l'indique, c'est-à-dire que ça n'engage à rien. Et il n'a pas donné la durée, il n'a pas donné le nombre des les participants, et il n'a pas donné l'objectif exactement. Et là-dedans, il était clair pour nous que ce n'était qu'un écran de fumée supplémentaire pour tromper, manipuler l'opinion, pour continuer sa besogne, donc d'imposer dans les esprits sa nouvelle constitution, son troisième mandat, puisque justement, malgré les milliards et les milliards qu'ils ont dilapidés dans le pays, l'argent sale que lui et ses ministres ont distribué, eh bien, la population n'a pas marché. Le projet a été rejeté massivement par la population. Donc, on attendait au moins qu'il tire une conclusion de tout ça, mais au lieu de ça, il offre cette ridicule initiative de consultation. Et le Premier ministre s'est empressé le lendemain, dit ah, attention, personne ne vient ici négocier quoi que ce soit, personne ne vient dialoguer, moi je suis chargé d'écouter, je ne suis rien là-dedans, je transmets à qui le droit. Donc ça a permis, réellement, on l'a dit à l'époque, malheureusement c'était pas à Ganga TV, que c'était une mascarade, un écran de fumée de tromperie supplémentaire. Le pouvoir va avancer dans son projet, quelles que soient les opinions qu'il va entendre, encore que maintenant on a bien vu que tout ce qui a été reçu par le Premier ministre, et c'est pour lui faire entendre ce qu'il a envie d'entendre. D'accord. Et rien d'autre. Donc, nous, on n'est pas invités, mais on a respecté donc les institutions. Le président de la République s'est exprimé. On lui a écrit, l'Alliance nationale patriotique à laquelle nous appartenons, avec la société civile, avec des personnalités, on lui a écrit pour dire, monsieur, merci beaucoup de penser au dialogue, nous-mêmes nous sommes pour le dialogue, mais au lieu de faire un contournement, il faut faire la conférence nationale vérité, justice, réconciliation. Et je suis heureux donc, à la faveur de l'intervention qu'il a eue à l'étranger, aux États-Unis, on va en reparler, évidemment, et de montrer que ben, c'est consultation. C'est qu'il a brossé justement le mot référendum en fin de compte. Non, mais on va y revenir, mais je dis que c'est ce jour-là, donc le lundi, avant-hier, que tout le monde a compris que les consultations, c'est rien du tout. Bien. Et que c'est une mascarade, et le Premier ministre a tenté de rattraper le coup, c'est tellement maladroit de sa part, en disant que non, 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 il n'a pas dit ça, c'est conditionnel et tout ça, comme si depuis janvier, le troisième mandat était au conditionnel. Et donc, ça veut dire que déjà, vous n'étiez pas prédisposé à ces démarches de consultation. Non. Donc, vous n'irez pas. Mais vous n'êtes pas dans le FNDC, c'est ça, puisque vous parlez. On n'est pas dans le FNDC, nous sommes dans l'Alliance nationale patriotique qui lutte pour le changement de système et pas uniquement pour le troisième mandat comme le FNDC, mais nous sommes tous de l'opposition, malgré ce qu'en pensent certains apparemment. Nous luttons de toutes nos forces pour empêcher donc la forfaiture, donc le coup d'état constitutionnel de se réaliser, et surtout maintenant de continuer ce système qui depuis 1958 n'a fait que broyer la Guinée et en faire le pays le plus attardé du monde. Alors moi, là je me pose la question, à un moment donné, vous avez fait confiance à Alpha Condé, absolument, de lui, absolument. Et puis vous quittez Alpha Condé. Oh. Est-ce que vous avez compris qu'il n'était pas celui-là qui était l'opposant à l'époque avec vous, face au régime de l'ancien Condé, qu'il a trahi votre engagement de jeune politicien à l'époque, de jeune militant panafricaniste et tout, il a trahi tout ça aujourd'hui. Il a trahi entièrement tous ses comportements aujourd'hui, l'ethnicisme, l'état ethniciste qu'il dirige, la corruption effrénée, l'enrichissement illicite, la violation de la constitution, en ce qui concerne la déclaration de ses propres biens, et bien tout ça c'est indigne de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Et je dis, j'en profite devant vos auditeurs pour dire que heureusement qu'il y a quand même en Afrique des gens de parole. Le président Mahamadou Issoufou, qui était lui aussi de la FEANF, est l'anti-alpha. Il a déclaré tous ses biens, et pourtant il a l'uranium, qui est plus précieux encore que la bauxite, la terre rouge que nous avons. Il a déclaré tous ses biens jusqu'au la dernière petite parcelle. Et lorsque les gens sont venus faire la flagornerie, la griotterie qu'on voit à Conakry, eh bien, oui, il faut faire le troisième mandat. Il les a envoyés à la justice.
Et la justice les a mis en prison déjà pour tentative de violation des dispositions constitutionnelles. Ici, vous savez que, justement, pour montrer à quel point ils sont opposés, eh bien, c'est ici qu'on emprisonne, c'est ceux qui s'opposent à la violation de la constitution. Et c'est ceux-là que l'on... Personnellement, vous êtes déçu d'Alpha Condé là-dessus. Mais donc, on a essayé de... On s'est connus, on a travaillé ensemble. Je vous dis, c'était lui, mon chef. Non, c'est même pas un ami, c'était un camarade. On a tout partagé. Même nos salaires, on partageait. Et jusqu'au moment où on a cassé, on s'est dit n'importe quoi à la figure. Je ne veux pas vous répéter tout ce qu'on s'est dit en avril 1974 lorsqu'on se quittait, mais je suis désolé de constater qu'il n'a pas changé. Et donc nous avons essayé de tous ces legs historiques, on s'est dit, ben, bon, chacun peut se tromper, il a pu évoluer, il a eu des épreuves difficiles personnellement avec les arrestations et tout ça. On a essayé en 2015, puisqu'il donnait quelques signaux, de voir ce qu'on pouvait faire avec lui, mais il n'a ni besoin de gens pour travailler, il faut que tout le monde sache. Il a besoin de griots, de gens qui le caressent, qui lui font la propagande et qui prennent l'argent sale pour aller donner aux notabilités. Pour le régime, il n'a pas besoin de gens pour travailler. Ils ne veulent pas des gens qui disent la vérité. Ils ne veulent pas des gens qui disent la vérité. Il n'a surtout pas besoin de gens qui travaillent. D'accord. Voilà donc en un mot, l'UFD pense que les consultations s'étaient déjà vouées à l'échec. Maintenant que le président, à la rencontre d'une communauté des ressortissants guinéens aux États-Unis, a donc sorti le mot référendum, vous pensez qu'il veut coûte que coûte y aller? Ben justement, je vous dis, monsieur Diallo, c'est que c'est notre conviction depuis janvier, depuis que l'ambassadeur russe a violé les règles diplomatiques élémentaires pour donner des leçons aux Guinéens en matière de politique intérieure guinéenne. La certitude était là que le troisième mandat était lancé. Donc, ce que je trouve maintenant incroyable de la part du président de la République, allez, tout le monde l'attendait sur cette question, les populations, le personnel politique, même ses amis l'attendaient sur cette question de référendum ou pas. Et il choisit donc les États-Unis d'Amérique en voyage privé pour faire cette annonce. Pour moi, ça montre jusqu'à quel point il méprise les Guinéens, jusqu'à quel point il ne respecte pas les Guinéens, jusqu'à quel point il se moque du peuple de Guinée. Aucun président qui se respecte n'aurait fait ce qu'il a fait. Aller en faire des annonces majeures là-bas. Je ne parle même pas 3 semaines qu'un président de la République se promène dans la nature. Pendant que tous les problèmes sont là, ils ne sont pas résolus. Il est en offensive économique. Personne. Il faut que vous sachiez que la Guinée n'intéresse que les bandits, les malfrats, les mafiosos. Comme on montre un seul investisseur sérieux ici, tous les investisseurs sérieux sont partis. Ils ont plié bagage, c'est impossible qu'ils travaillent. Bon, il a rencontré la Banque mondiale. Mais la Banque mondiale, il n'y aura aucune retombée sur la Guinée, puisque la Guinée n'est pas un pays fréquentable. Toutes les sociétés sérieuses, bien assises dans le monde, et qui ont un minimum d'éthique et de règles de travail, elles ont quitté la Guinée. Elles ont abandonné la Guinée. La dernière étant la Grande Banque nationale de Paris, qui a jeté l'éponge en disant « Nous, on ne peut plus rester ici. » Ils ont trouvé des excuses pour partir. Donc, on n'aura aucun investisseur ici. On peut avoir des narcotrafiquants, on peut avoir des mafiosos, on peut avoir des Chinois ou autres qui n'investissent pas un dollar et qui viennent ramasser la terre rouge ou l'or et partir. On n'aura pas d'investisseurs capables, justement, de donner du travail à ces millions de jeunes Guinéens qui en ont absolument besoin et qui sont désespérés. Et il passe 3 semaines dans cette balade-là, il n'y aura aucune retombée que pour lui-même. Voilà. Et qui coûte en plus une fortune colossale que des opposants, Mme Bissou Condé a évalué à 10 millions de dollars, je ne sais pas, 10 millions de dollars. On n'a pas d'école, je peux vous montrer ici en aparté la photographie d'écoles de brousse qui sont en réseau, en paille. Ça à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, je me permettrai de vous le montrer tout à l'heure. Et donc, c'est pas ça qui l'intéresse, c'est se promener et surtout insulter le peuple de Guinée en allant faire des grandes annonces de politique nationale, de politique intérieure aux États-Unis. C'est comme si on doit nous adresser aux Américains pour savoir ce qu'il a dit sur la Guinée. Voilà donc M. Badikou, président de l'UFD, ce parti donc qui a dit tout à l'heure, enfin, qui selon lui pense que ces consultations étaient tout simplement un écran de fumée. On va observer une petite pause derrière, on se retrouve pour terminer la deuxième partie de Café Débat.
Le Club des Métis pour la prévention des conflits et le maintien de la paix, en partenariat avec la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et la collaboration de Wasolon Agency Communication, organise la première édition du tournoi de football des partis politiques. Pour promouvoir le fair play politique en vue d'instaurer un climat de non-violence dans la pratique de la politique en Guinée, 16 partis politiques se donnent rendez-vous autour du cuir rond. Quel parti politique remportera cette première édition du tournoi de football des partis politiques? Rendez-vous en septembre 2019. Institutions républicaines et non gouvernementales, associez votre image à cet événement inédit. Contact 624 26 92 42, 664 24 61 06. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Évidemment, toujours à mes côtés, M. Badigo, président de l'UFD, qui donc est intervenu tout à l'heure sur d'abord la vie du parti. Ce parti, un des vieux partis de notre pays, qui a plus de deux décennies maintenant. Comment se porte le parti? Il a rassuré. C'est un parti qui reste vivant, implanté, et beaucoup, qui a beaucoup d'ambition, notamment pour la Guinée. Et puis, les consultations, vous en savez, la conclusion sur lui, c'est que c'était un écran de fumée, tout simplement. Là, on va parler cette fois-ci d'élection, mais un peu avant, vous parliez tout à l'heure de déception. Et par exemple, cette école à l'intérieur du pays à Touggé qui ressemble tout simplement à un poulailler. Un poulailler. Oui, je dis que voilà des centaines de milliers de milliards qui sont dilapidés. Regardez les routes. Quand quelqu'un a un contrat de la route, il ne peut pas travailler puisque 90% de ce qu'il va récupérer va aller dans l'administration, dans la filière de corruption. Et il ne lui reste rien pour travailler. Donc c'est, tous les jours, il y a la route qui est à refaire. Et toutes les histoires de rafistolage des routes, l'argent qu'on a mis là-dedans aurait pu permettre de goudronner des milliers de kilomètres de goudron en Guinée. Mais la corruption est là et ça ne permet pas de faire quoi que ce soit. Et je vous ai parlé, donc, 60 ans après l'indépendance, vous avez des sous-préfectures qui ont des écoles soi-disant comme ça. Et vous avez entendu l'école à Cancan, j'ai le reportage quelque part, malheureusement, je ne peux pas vous le montrer parce que c'est dans l'ordinateur, où une école qui est construite en 1959, on n'a même pas arrangé un clou, on n'a rien fait. Il y a même le toit qui s'en va, les chèvres et tout ça, les moutons qui s'installent là-dedans, ouais. Les gens qui en font des voilà, c'est un dépotoir et tout ça. Et donc, pendant ce temps, le président n'est pas là pendant plus de 3 semaines. Il se promène, c'est comme s'il fuit son pays, c'est comme si quelqu'un fait un enfer et qu'il ne veut pas rester dans l'enfer qu'il a créé. C'est à ça que je pense plus de ça, puisqu'il n'a rien à faire ici. Quand il vient, c'est l'enfer. Donc, il se débrouille pour passer le moins possible de temps dans l'enfer qu'il a créé. C'est un enfer, ce pays est un enfer pour ses pauvres habitants. Bien. Le chômage est là, la misère extrême est là. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'avenir surtout pour la jeunesse. Alors oui, aujourd'hui, c'est l'autre sujet qui fait couler beaucoup d'acres à ce moment aussi, c'est cette date proposée par la CENI. Parce que le président de la République non seulement a parlé de consultation, mais il a demandé à ce que le gouvernement appuie la CENI pour qu'on tienne les élections législatives en cette année 2019. Certains y voient un agenda caché. Voit derrière cette volonté politique un agenda caché pour Alpha Condé. Qu'est-ce que vous en dites, cette date? Est-ce que ça crée un problème chez vous aussi? Eh bien, nous, ça ne nous crée pas de problème puisque nous savons à qui nous avons affaire. Voilà un pouvoir, un président qui viole la loi, qui viole la constitution et qui viole le principe de la fixité des mandats. Dans tous les pays démocratiques, les pays civilisés, et non pas comme la dictature comme nous l'avons ici, il y a une dette connue, même 5 ans à l'avance, des prochaines élections. Personne ne se pose la question, est-ce qu'elles auront lieu ou elles n'auront pas lieu? Elles ont toujours lieu. Mais ici, l'agenda électoral est à la discrétion de la dictature du président Alpha Condé. C'est lui qui décide quand il est prêt à aller aux élections, puisque la CENI ne vous y me prenez pas. Ce n'est pas un organisme indépendant, c'est un bras du pouvoir pour fabriquer des majorités. Quand ils le veulent et quand les conditions, leurs propres conditions sont réunies. Et je dois vous rappeler que vous pouvez vous rapprocher de vos collègues de l'espace, il y a notre cher frère et ami Étienne Sorbogui qui était quand même un acteur majeur de la CENI, qui n'a pas manqué de s'étonner de ce qu'il voit aujourd'hui, la CENI qu'il a laissée, et où il a carrément dit qu'à son sens, cette CENI n'est plus indépendante du pouvoir. Même s'il n'a pas affirmé cette façon, nous l'affirmons. Cette CENI n'est pas indépendante du pouvoir, c'est le bras du pouvoir. Elle fera ce que... La date du 28 septembre, c'est la date d'Alpha Condé. C'est la date, c'est lui qui fabrique ça. Puisque ce qu'il y a, comme il n'y a pas de date, il faut semer l'opposition, semer la confusion.
on va se passer le temps à hurler, ah, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis, il va arriver, on va boycotter. C'est-à-dire, l'opposition guinéenne est dans une situation que vous n'imaginez pas. Mm-hmm. Je peux vous la résumer? Ouais. Tu vas à l'élection, tu meurs. Tu ne vas pas à l'élection, tu meurs. C'est ça l'opposition. C'est ça l'opposition guinéenne. On va à l'élection, voilà la CENI qui a déjà ses fichiers bourrés de faux électeurs pour donner la majorité qu'ils souhaitent au président de la République. Et donc, on va dire oui, l'opposition était là, donc c'est des élections libres, honnêtes, démocratiques, machin. Alors que tout le monde sait que c'est totalement faux. D'avance, c'est faux. Maintenant, s'ils ne vont pas aux élections, apparemment, ce qu'ils cherchent, c'est qu'à ce moment-là, il a toute l'attitude pour avoir ses 100% à l'Assemblée et voter la constitution qu'il voudra. Alors, à ce moment, est-ce que vous, si coûte que coûte, malgré que vous pensez que cette date n'est pas tenable, la CENI, le président confirme la date proposée par la CENI, est-ce que l'UFD ira quand même à ces élections? Depuis 2005, nous avons participé à toutes les élections en 2015 par alliance avec le RPG arc-en-ciel. Et donc, notre vocation n'est pas de rester là à croiser les bras et de crier qu'il y a ci ou ça. Nous évaluons les conditions. Si un million de conditions sont réunies, on va y participer, mais sinon, on n'y va pas. Mais ce n'est pas une question à laquelle on peut répondre aujourd'hui, mais nous, on sera toujours prêts. Et les militantes, les militants, les sympathisants, on les sensibilise en disant le pouvoir peut faire tous les coups fourrés possibles. Il peut tout à fait vous laisser vous exciter sur le 28 décembre, alors que pour lui, ce n'est pas le 28 décembre, c'est au mois de mars. Tout ça est possible, puisqu'il manipule, il viole la Constitution, encore une fois, et donc... Vous avez les conditions d'aller ou pas. Voilà, le moment venu. Mais voilà. Déjà, est-ce que vous êtes dans le démembrement? Parce qu'à un moment donné, il y a eu des bisbilles. Eh bien non, non. Le chef de file de l'opposition a décidé que nous ne sommes pas de l'opposition. Vraiment? Absolument, puisqu'on n'est pas dans, on n'est pas dans ses grâces, donc nous ne sommes pas de l'opposition, puisque nous avons soutenu le président Alpha Condé en 2015. Ce que nous avons, et donc on nous a dit non, on n'est pas membre. Mais on a dit, mais très bien, mais le PIP, qui était dans le même cas que nous, exactement, et a participé aux législatives, a soutenu le président Alpha Condé, a été au communal, ils ont eu leur démembrement. Ça ne pose pas de problème. Et vous avez également le PADES, c'est-à-dire le docteur Ousmane Kaba, c'est encore pire, parce que lui, élu député RPG, il a soutenu la candidature du président Alpha Condé, et il est au communal, mais lui, là, c'est démembrement. Nous savons que... L'UFD est exclu par la volonté du chef de file. Pour lui, c'est même un réconfort pour nous, je le dis devant l'opinion nationale. C'est un réconfort pour lui de nous exclure, puisque nous sommes, justement, nous constatons que nous sommes le seul parti qu'il craint dans sa région, le Fouta. Donc, c'est nous qui doit écraser. Il n'a peur de personne d'autre que nous, et je dis, c'est dommage. Ce n'est pas comme ça qu'on aurait vu l'opposition. Nous n'entrons pas dans une guerre de l'opposition, mais je dis que c'est tout à fait dommage, mais c'est parfaitement clair que pour lui, l'ennemi au Fouta, ce n'est ni le RPG, ni quelque chose d'autre. Il nous connaît non pas comme un adversaire, mais comme un ennemi. Sinon, comment peuvent-ils faire ce qu'il a fait et soutenir qu'il ait une bonne foi? Malgré tout ça, quand même, vous observez la situation, vous veillez sur tout ce qui est question de transparence. Si vous pouvez aller aux élections, vous irez. Alors, pour terminer, peut-être un mot. Vous avez assez d'expérience en termes d'administration. Vous êtes économiste. Expert comptable. Comptable. Donc, vous voyez tous les signaux, que ce soit les statistiques qu'on nous donne en termes de croissance macroéconomique, oui. D'avancer, partage de la croissance. Et en quelques 1 minute 30 secondes, qu'est-ce que vous pouvez faire comme bilan de ce régime? Ce bilan est catastrophique. Nous prenons le bilan non pas des chiffres que l'on donne à droite et à gauche, mais la réalité que vivent les populations guinéennes. Allez, prenez votre micro, allez interroger sur 100 jeunes que vous allez rencontrer, combien ont un travail? Combien, est-ce que vous imaginez des retraités qui n'ont que 400 000 francs par mois à Conakry pour vivre? Pendant ce temps, on dilapide les richesses minières, l'or sert à blanchir l'argent sale du régime et de ses amis. Et les Chinois qui n'ont pas investi un dollar en Guinée, ils n'ont que même les camions... Mais on a parlé de 20 milliards. Non, mais 20 milliards, mais je vous dis qu'ils n'ont... Je dis que les entreprises minières qui sont là, qui ont pollué toute la base Guinée, qui la rendent impropre à l'agriculture, qui ont détruit
Mais définitivement, la base Guinée, eh bien, ils n'ont pas investi un franc ici. Ils n'ont même pas de port. Ils évacuent la Terre Rouge dans des barges et tout ça. Et associés également au personnel politique guinéen. Puisque souvenez-vous que pour avoir tous ces droits, il faut que l'Assemblée vote. Et croyez-moi, ça ne se passe pas comme vous imaginez. Et aujourd'hui, donc, toute la richesse nationale est détournée. Il y a des gens qui croulent sous les millions. Ici, vous avez vu l'histoire du ministère de la Santé qui a perdu une mallette, et quand on en parle, $2,300,000, $1,300,000, et la réaction, c'est de dire que les Guinéens sont méchants, ils ne devraient pas parler de ça. Vous avez entendu parler de ces $60 millions que le président la Guinée a emprunté au Qatar, et que la UFMI dit qu'il n'a pas vu. Les $45 millions d'Orange, qu'on a pris à Orange pour la 4G, eh ben, c'est quand le FMI en a parlé que le président a dit « Oui, il faut me remettre dans la caisse ». Donc, c'est-à-dire que quand on prend le voleur, il est d'accord pour restituer, mais sinon, c'est perdu. Vous ne parlez même pas encore de tous ces scandales, tous ces scandales financiers qui jalonnent réellement, qui suivent le régime. Et quand le partagent la croissance à travers la France. Eh bien oui, eux ils partagent bien leur croissance entre eux. Ça, leurs poches, ils se les remplissent. Ils se les remplissent copieusement. Et je dis qu'aujourd'hui, toute la richesse nationale est dilapidée, elle est volée au profit de l'élite dirigeante. Et le peuple est dans la misère qu'on imagine. Regardez, c'est le Q-Net. Un pays, des gens justement qui pensaient pouvoir se sortir de la misère, des bandits, des voyous internationaux viennent, on vit au su. Ils volent 54 milliards à des pauvres Guinéens, impossible de rendre la justice. Ça fait 2 ans que le procès est contenu, puisqu'ils ont toutes les protections qu'il faut. Et voilà donc le pauvre petit peuple à quoi il est réduit en Guinée. Et vous résumez tout ça par la catastrophe, tout simplement, le bilan. Mais c'est pas moi, je vous dis, moi je vous conseille, prenez votre micro et votre caméra, promenez-vous un peu, vous allez à Conakry, vous allez m'en dire. Et je dis maintenant, il faut que les compagnons comprennent que, comme en 1958, le peuple de Guinée dira non à cette fameuse constitution qui n'en est pas une, qui est un outil de confiscation du pouvoir. Et il faut qu'on revienne aux valeurs fondamentales de patriotisme, de démocratie, de liberté, de panafricanisme sérieux, et d'engagement pour la patrie qu'il y avait en 1958 jusqu'en 1961, lorsque Sékou Touré a ramassé tous les démocrates, les Koumania Keïta, le M. Colomb, Ibrahim Akaba, Réotra surtout, et autres, qui s'opposaient à sa dictature, et c'est malheureusement ce système depuis novembre 61 qui nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie. Merci M. Badiko, et à très bientôt. Mais il faut que je vous montre quand même, je tiens à vous montrer. Vraiment, nous vous montrerons ces images. Voilà. De cette école du côté de Kouratongo à Tougué. Kouratongo notamment. Voilà. Une école qui, en tout cas, ne ressemble pas à celle de notre époque. Comme il l'a dit, 61 ans après notre indépendance, ces images, nous les montrerons tout à l'heure derrière. Merci M. Badiko, à très bientôt. Merci M. Diallo. À vous, merci de votre attention. À très bientôt pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.